yokola kufeta yemia kumi. Zambi alobi, mawa na mtu ache mutema na batu. Oyo alungoli mutema ipai ya Zambi. Pe alukili salisi bobele ipai ya batu. Akozala lokola nzete ke sila kakasa unabele makauka. Ekozwa mkula te, ekopanda bobele obisika matiti mazalite. Omabele mungwa, esika bato bazalite. Esengona mtu akutia mutema na Nzambe. Oyo Nzambe azali elikia ya ye. Akozala lokola nzete elonami pembeni ya mai. Etandi misisa epai ya minuka. Eyo kipasi te utango ya moi makasi. Kasa ya ngo ekokauka te. Ebangi elanga makasi te. Ekobota mbuma tango iso. Bandeko liloba ya Nzambe wana. Bakisa molongo mwazomi na mudoba
kino mwe mwatu kui bane. Bande ko, awa dokote ya kate, Kristu asekwi obawa, ndenge nini ba susu onte ya bino, bakolo bakate, sekwa ya bawa ezalite. Soko sekwa ya bato ezalite, Kristu mpe asekwi. Mais ce que Christ a sécurité, pour y aller, Atali bayo heli baye alobi
Esengo nabino papola Zambi okozwa okozi kwa Zambe Esengo nabino kozali koyoka nzala sikawa Zambi okotonda Esengo nabino kozali kolela sikawa Zambi okosepela sima Esengo nabino soko bato bahini bino Soko babengani bino, soko bafingi bino, pe babebisi lokumu la bino, po ya kombo ya mwana wa moto. Mokolo mona, bokosepe la pe, bokoyoka sai enene. Zambi, bokozwa lifuta lenene o likolo. Bakoko babango, basalaka na baprofeta, c'est bon. Kasi, mawana bino, bato bakita. Bambate, bosili, bosili, boswi liboni la bino. Mawana bino, batondi sikawa. Bambate, bokoyoka nzala. Mawana bino, bosali, bosepela sikawa. Pambate, bokozala na mama pe, bokolela. Mawana bino, soko bantu, bato, banso, bazali kokumisa bino. Bakoko babango, basalaka na baprofeta, pa balokuta se bongo. Lokumu na yo. Faites attention, vos enfants. Où est-ce qu'ils vont? Bizambi, Zambi, c'est là qu'on part.
catholique, on ne l'est pas, on ne sait plus. S'il faut des choses officielles, on parle à l'Église catholique. S'il faut des choses de l'ombre, on cherche le pouvoir. On va dans des petites églises où on prie pour nous, oh, tout y aura tout. Maintenant, aujourd'hui, la parole de Dieu va nous confondre. Le message d'aujourd'hui, mets ton espoir dans le Seigneur. En lui seul est ton refuge. Allez même écrire ça sur la porte de votre maison. Mon espoir est dans le Seigneur. En lui seul est mon refuge. L'évangile d'aujourd'hui, c'est une deuxième version selon Saint-Luc. Il y a déjà une autre version. La version que nous connaissons le plus, c'est la version de Matthieu. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les artisans de paix. Heureux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu a 8 béatitudes. Et dans les béatitudes de Matthieu, toutes les béatitudes commencent par heureux, heureux, heureux. Mais dans la version que nous avons lue aujourd'hui, il y a 4 heureux et 4 malheureux. Luc dit, heureux ceux qui sont pauvres. Matthieu dit, heureux les pauvres en esprit. Luc dit, heureux vous qui pleurez maintenant. Matthieu dit, heureux les artisans de paix. Luc dit, heureux vous qui avez faim maintenant, ou vous avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Mais dans Matthieu, c'est différent. Les deux ont entendu la prédication de Jésus, mais ils l'adaptent à ceux qui les écoutaient. Matthieu avait écrit son évangile pour les Juifs qui étaient devenus chrétiens. Luc, c'était un païen grec, et il écrivait son évangile aux païens, et il écrivait son évangile pas aux riches. Il a écrit son évangile pour les esclaves et les gens qui étaient rejetés. Matthieu annonce Jésus comme le nouveau Moïse. Quand vous avez fait le pèlerinage en Terre Sainte, on dit que c'était sur le mont Tabor, et Moïse avait donné la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Il présente Jésus comme le nouveau Moïse. Matthieu, son message, il dit, vous les Juifs qui êtes devenus chrétiens, vous devez embrasser une nouvelle façon de vivre. Le christianisme n'est pas la continuation du judaïsme, c'est quelque chose de nouveau. Ça demande un nouvel esprit. Luc était en train d'écrire à ceux qui souffraient au moment où il parlait. Ceux qui étaient rejetés. Et le fait même de devenir chrétien, ça avait ajouté à leur malheur. Alors, qu'est-ce que Luc fait? Luc dit, dans son évangile, il dit, Jésus était sur la montagne. Non, il dit, Jésus est descendu dans la plaine. Donc, il était vis-à-vis avec les gens qui l'écoutaient. Il leur parlait. Jésus descend et te parle face à face. Jésus descend et parle à ton cœur, cœur à cœur. C'est ça que Luc dit. Vous là, ce message s'adresse à vous maintenant. Mais la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve déjà dans les psaumes. Heureux qui met son espoir dans le Seigneur. Les béatitudes, c'est un renversement des valeurs. Les béatitudes, ça ne veut pas dire que tu dois te réjouir dans la misère. Les béatitudes nous invitent à embrasser une façon radicale de vivre notre foi chrétienne. Nous invitent à vivre du Seigneur. Il nous invite à vivre de Jésus-Christ. Il nous invite à être tout pour le Seigneur. Le Père, il y a un feu Père
qui était mon professeur, il avait composé une très belle chanson, une très belle chanson sur Jérémie. Saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. On connaît cette chanson dans la chorale. Saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Si nous méditons cette parole du Seigneur, nous méditons les béatitudes. Jésus a vécu lui-même les béatitudes. Combien de paroles sur la croix, dans les quatre évangiles, combien de paroles Jésus a fait dites sur la croix? Sur la croix, Jésus a dit sept paroles. Ces sept paroles se trouvent dans les quatre évangiles. Vous pouvez les renverser, mais il a dit sept paroles. Mais je m'arrêterai seulement à une parole. Jésus dit sur la croix, entre tes mains, Seigneur, je mets mon espoir dans le Seigneur, en lui seul est mon refuge. Jésus-Christ sur la croix, priez les béatitudes. Sur la croix, il dit au Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Il priait les béatitudes. Les béatitudes, c'est une invitation à vivre dans le Seigneur. Le premier verset de Psaume dit, heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Oh, c'est beau, il faut méditer les paroles d'aujourd'hui. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Et dans la première lecture, Jérémie dit, heureux l'homme qui se confie au Seigneur, qui met son espoir dans le Seigneur. Malheureux à celui qui met son espoir dans l'homme. Ça continue. Dans la deuxième lecture, Paul dit, si ta foi n'est pas en Jésus-Christ ressuscité, ta foi est vaine. Mais qu'est-ce que tu fais? Mets ta foi dans Jésus-Christ. Parce que c'est ça l'espérance. Si nous comprenons cela, nous pouvons bien méditer les béatitudes pour notre monde aujourd'hui. Jésus dit, heureux vous qui sont bien pauvres maintenant. Il ne dit pas, heureux vous, heureux les pauvres en esprit, comme dans Matthieu. Dans Luc, il dit, vous qui êtes pauvres maintenant. Cet évangile, comme je l'ai dit, s'adresse à nous tous. Nous sommes un peu là comme un peuple perdu. Un peuple, il n'y a pas une cohésion. On est là. Imaginez-vous que c'est aujourd'hui que Jésus-Christ dit, heureux vous qui êtes pauvres maintenant. Le royaume des cieux est à vous. La pauvreté dont il parle, ce n'est pas une pauvreté matérielle. La pauvreté dont il parle, c'est une pauvreté de celui qui met toute sa vie dans le Seigneur. Les richesses ne procurent pas le bonheur qu'on veut. La misère ne procure. Dans le livre des prophètes, des proverbes, les sages disent, Seigneur, ne me donne pas la richesse, je vais t'abandonner. Ne me donne pas la misère, je vais te maudire. Donne-moi seulement de vivre en toi. Donc, Jésus nous demande d'avoir une juste balance dans la vie. Nous savons que la richesse, le matériel, le pouvoir, ça ne donne toujours pas la paix. Les gens qui sont riches, ils n'ont pas toujours la paix. Quelqu'un peut toquer à la maison, tu penses, on vient fouiller tes comptes en banque. Et il n'y a pas la paix.
Mais être dans la misère, ça ce n'est pas non plus ce que le Seigneur veut. Mais cette pauvreté spirituelle, c'est la pauvreté de celui qui met sa foi dans le Seigneur. Moi, je mets ma foi dans le Seigneur. Josué dit, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Nous savons que nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas pauvres. Nous servirons qui? L'Éternel. Dieu seul est mon espoir. Dieu seul nous assure. Luc dit encore, heureux-vous qui pleurez maintenant. Oh, les gens voulaient la matinée, hein? C'est pas pleurer parce que tu as provoqué la bagarre, on t'a frappé, on m'a. Non. Non, c'est différent. C'est différent. C'est pas que tu provoques des choses, tu provoques des problèmes aux gens pour les là. Non. C'est différent. L'homme juste voit ce qui se passe dans le monde. L'homme juste pleure. Un bon parent, tu pleures parce que tu vois que tes enfants embrassent un mauvais chemin. Tu pleures. Sainte Monique pleurait pour Saint Augustin, son fils. Vous pouvez dire qu'il était un Wayamba, qui était un voyou religieux. Monique ne disait rien à son fils. Monique, quand elle se mettait devant le Seigneur, elle pleurait pour Augustin. Monique pleurait. L'homme juste pleure pour les malheurs qui se passent. L'homme juste pleure pour tout ce que nous voyons comme perversion dans le monde aujourd'hui. L'homme juste a faim. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je pleure parce que je vois combien le monde se perd. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré parce qu'il s'est dit, mais Jérusalem, Dieu t'envoie des prophètes et tu les tues. Il a pleuré, il dit, bientôt il ne sera plus pierre sur pierre, tout sera détruit. L'homme juste pleure sur ses malheurs. Mes frères et sœurs, pleurez pour nous dans cette communauté ecclésiale. Ça peut être pleurer, car dans cette communauté, nous ne sentons pas le fruit de l'Esprit Saint en nous. Il n'y a pas l'Esprit Saint. On peut se dire, nous sommes dans l'aumônerie, mais il y a trop de divisions. Et des fois, nous sommes divisés par le fanatisme. Nous sommes aveugles. Quelqu'un me dit, j'ai reçu un WhatsApp. Oh, c'est quelqu'un de votre tribu qui sera gouverneur. Il dit, ah, il va me nourrir aussi. Hein. Mais les gens se frappent pour ça au Congo. Oui, quelqu'un de ma tribu devient quoi? Qu'est-ce que ça change pour ce pays? Nous n'avons aucun respect. Oh, il faut voir. Quand tu les gens font ça, voilà, ils sont au Congo. Oh, les troubles Congo. C'est comme ça qu'on nous appelle. Aucun respect. Aucune dignité. C'est ça qui va nous faire pleurer. Que nous avons perdu la dignité. Nous devons pleurer sur ça. Les Congolais, on nous identifie aux troubles, aux guerres. C'est ça que nous sommes. Nous devons pleurer sur ça. Quand quelqu'un te dit que tu es Congolais, il sur ça. Mais comment? Il y a des Congolais prêtres. Oui. Quand j'étais à Saint-Patrick, on dit que le curé qui va venir, c'est un Congolais. Et il y avait là un Camerounais qui dit, ah, les Congolais, ça c'est la fin. C'est la fin de cette église. Nous avons une mauvaise réputation, frères et sœurs. C'est ça qui doit nous faire pleurer. Pas nous battre pour des futilités. Oh, Azanan, des fois nos dirigeants ne sentent pas ça. Vous savez ça chaque jour. Quand vous allez sur la rue, vous avez honte de dire vous êtes Congolais. Pourquoi? C'est toi qui vas nous faire pleurer. Et vous, ceux qui pleurent, nous devons pleurer pour un vrai changement, un changement de mentalité. On ne doit pas toujours savoir, Congolais, c'est la fête.
chaque vendredi soir, je pose la question au samedi, tu as quelque chose. C'est ça qui doit nous caractériser. Samedi, on va la batterie, ma fête, nous sommes à Londres. Ah, maman. C'est ça qui nous caractérise. Nous devons pleurer pour ça. Luc dit encore, heureux, vous qui avez faim maintenant. Matthieu a dit, ceux qui ont faim et soif de la justice. Luc dit, vous qui avez faim maintenant. Ce que je dis là, c'est nous qui avons faim maintenant. C'est nous qui avons faim maintenant. Vous connaissez Père Paul. Nous sommes partis déjà par trois fois au Congo. Mais quand tu descends au Congo à l'aéroport, le spectacle que ça donne là. Lui il rit, mais moi j'ai faim que ce pays change moins. Ça ne change pas. Si vous avez regardé même sur YouTube le scandale minier au Katanga, vous allez à Kasumbalesa, à la frontière de Kasumbalesa, vous allez trouver plus de 10 000 camions qui prêts pour traverser. Sur chaque camion, il y a une valeur de plus de 20 millions de dollars. Mais on est dans la pauvreté. Dès qu'on ferme la frontière, vous avez un trafic sur plus de 30 km de camions qui viennent de toute l'Afrique ramasser les choses. Nous devons pleurer pour ça. Nous devons avoir faim de vraie justice pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des troubles à tout le monde. Mes frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, ça nous fait réfléchir. Parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à accomplir dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord nous poser cette question à moi personnellement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous poser cette question. Un jour, il y a une dame qui m'a posé la question. Dit, le Congo est consacré à quoi? C'est une question que nous devons poser la question, même à nos effets, quand ils nous visitent. À quoi est consacré le Congo? On n'a jamais fait un acte de consécration de la République démocratique du Congo. Dans la vision de Fatima, on dit, la Vierge, dans la vision du Sacré-Cœur, dit consacrer la Russie au Sacré-Cœur de Jésus. Mais le Congo n'est pas consacré à quelque chose. Nous, comme chrétiens catholiques, nous devons prendre un acte de foi. Nous consacrons la République démocratique du Congo à la Vierge Marie, à Saint-Joseph, parce que il y a un problème. Il y a un problème. Nous prions trop. Mais est-ce que nous prions vraiment? Quand tu es à Kinshasa, tu ne peux pas dormir. Tout partout, il y a la prière, partout, il y a des pas. Tu ne peux pas dormir. La prière, c'est trop. Mais est-ce que nous mettons vraiment notre espoir dans le Seigneur? Est-ce que nous mettons vraiment notre foi dans le Seigneur? Mes frères, chers frères, moi je n'attaque personne, mais je prêche l'Évangile. Je n'attaque personne, mais je prêche l'Évangile. La parole de Dieu doit nous interpeller. Nous ne devons pas seulement dire « Je pars à l'église et je rentre ». La parole du Seigneur doit nous interpeller. Mais ça nous interpelle même au niveau de nous-mêmes. En quoi est-ce que tu mets ton espoir? Dans le fétiche? En quoi est-ce que tu mets ton espoir? Dans l'occultisme? Beaucoup de vos enfants qui travaillent, qui étudient, s'ils rentrent au Congo pour avoir du travail, des fois il faut être
dans la franc-maçon, il faut être dans la loge, il faut être dans la rose-croix. C'est ça qui dirige notre pays, c'est ça qui dirige le monde. La parole du Seigneur aujourd'hui nous interpelle. Mets ton espoir dans le Seigneur. Nos chefs d'État, c'est ça qui prend toute leur intelligence, la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas travailler pour Vodacom, mère telle, si tu n'es pas dans ces choses-là. L'occultisme. Nous mettons notre espoir là. Mais si tu veux te marier, il faut aussi chercher des fétiches. Est-ce qu'il y a l'amour là-bas? Maman, on te prend, tu viens te marier d'ici, tu viens. Avant de venir pour mariage, tu vas d'abord sur les gangs pour dominer ton mari. Comme ça, le mari est toujours amen, amen à la maison. C'est comme ça. Est-ce que vous mettez votre espoir dans le Seigneur? Avant que ta fille soit mariée, il faut on va d'abord visiter telle femme, lui parler, elle va te dire. C'est quoi? Est-ce que nous mettons l'espoir dans le Seigneur? C'est déjà au niveau personnel. Nous avons une destruction au niveau personnel. Au niveau personnel, on n'a pas confiance que le Seigneur pourvoira. On n'a pas confiance que le Seigneur nous donnera. La lecture des béatitudes, c'est une invitation à renouveler notre espoir